Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va créer les joints de dilatation pour les constructions métalliques. Donc, pour les bâtiments industriels, les charpentes métalliques, les hangars métalliques, lorsque la profondeur elle est importante, ou bien de tenir compte de l'action de la température comme étant une charge supplémentaire appliquée sur la structure, ou bien il faut, dans la conception, il faut tenir compte de l'effet de la température en tant que dilatation du matériau sous l'effet de l'augmentation de la température. Donc, avec la création d'un joint de dilatation, protéger notre construction vis-à-vis l'action de la température. Donc la bonne méthode, c'est de créer un joint ou bien finalement de diviser le bâtiment sur deux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec un exemple simple comment on va créer un modèle avec un joint de dilatation. Je vais travailler d'abord sur la modélisation de la porte de D. Et je vais générer le joint et je vais générer le modèle 3D après. Donc je vais commencer par les lignes de construction. Un portique à lame brisée de portée 20 mètres et de hauteur 8,5 mètres. Mes poteaux sont des poteaux en HVA. Les travers sont des travers en épi. Donc je vais commencer par les poteaux et après les travers. Il s'agit bien d'un portique articulé en bas, bien articulé. Je vais ici une coupure par je vais transformer par miroir vertical par rapport à donc. Donc j'ai créé notre portique de D. L'objectif principal de cette vidéo-là, c'est de vous montrer comment créer les joints de dilatation. Juste pour finir avec le modèle de D, je vais créer des jarrets profilés dont la longueur c'est 10% de la longueur totale de la traverse et la hauteur c'est la même hauteur du profil. Et donc ici, pour l'assemblage bout à bout du traverse-traverse, c'est aussi l'assemblage entre poteau et traverse. Maintenant, je vais générer le vent et de la même façon, je vais exploiter ça pour générer mon autre. Donc la profondeur de la construction, c'est 100 mètres. L'entaxe entre les poteaux, c'est ici. Je vais considérer uniquement l'action du vent, sans accrotère. Et donc voilà, enveloppe. Je vais cliquer sur auto pour sélectionner l'enveloppe. Profondeur de 100 mètres, entaxe de 6 mètres. Ok. Paramètres. La région 2, l'altitude de la construction c'est 8,5, site normal type
pression normale est le site est exposé. Pression du vent manuel 0,7 kPa. Je vais lui cocher toutes les actions spécifiques. Et il faut considérer aussi les valeurs minimales de la coefficient de premier résultat. Et la pression du vent, c'est une pression constante appliquée sur les parois verticales et sur les versants. Neige des Alpes activée et la perméabilité, je vais considérer que la construction est. Fermé. Je vais générer le modèle en 3D. Donc, il s'agit bien d'un 17 portique. Et puisque je vais créer un joint, je vais ajouter un portique. 18 portique irrégulière, puisque un certain au milieu, l'espacement entre les portiques devient 1 mètre de la largeur du joint de la base. Donc, axe égal à 6. Donc, ici, je vais taper les espacements exacts entre les portiques. Donc, ça fait 18 portiques, c'est-à-dire 17 espacements. 17 espacements. 17 espacements. 8 espacements de 6 et un espacement de 1. 8 espacements de 6 et un espacement de 1. Et après, j'ai 8 espacements de 6. Donc ici, les barres verticales sur laquelle l'action du vent s'applique, ces barres-là, et là. Okay. Donc, les pannes sont des pannes en IPE 120. IPE 120 existe. Donc pour l'espacement c'est relatif, 0, 0, 2. 10 de bardage, la section c'est MUAP 130. Et je vais générer le modèle en 3D ici, 18 portiques, un espacement uniforme de 6 mètres entre les portiques, et au milieu j'ai un portique, deux portiques dans l'espacement égal à 1 mètre. Il s'agit bien d'un joint de dilatation, et comme ça j'ai deux bâtiments pour tenir compte, comme je vous l'ai dit, de l'effet de la température sur la stabilité d'ordinaire de votre bâtiment. Générer le modèle 3D.
Ok, donc regardez maintenant, j'ai votre bâtiment et ici j'ai un joint de dilatation. Je vous remercie. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer la suite de la modélisation du projet de l'ancienne vidéo, ou bien de la dernière vidéo. Donc, l'autre fois, on a créé une charpente métallique à faire briser, dont la profondeur ici dépasse de 100 mètres, il est à peu près égal à 100 mètres, donc on a besoin ici de créer un joint de dilatation par un doublement de portée de stabilité. Pour continuer ici dans la modélisation, il faut créer d'abord des éléments de contre-mouvement, les croix cendrées et les poutres vent, et les couvertures en bacassier ainsi que les partages métalliques. Et pour bien générer les charges appliquées sur la structure. Je vais commencer par les croix cendrées et je vais tracer des barres avec double cornière comme une section choisie. Je vais choisir double cornière 60 x 6. Donc je vais cliquer sur composer. Base de données, c'est la France. Et ici, je vais cliquer sur double cornière 60 x 6. Cette distance-là désigne l'épaisseur du gousset. On va prendre 8 mm, 15 mm. Donc je vais tracer, je vais commencer par les. Je vais commencer par les croix cendrées. Et les poutres vont chaque espacement entre les bas. Par la suite, je vais sélectionner toutes les barres avec une section double cornière et comme ça, je peux effectuer une transformée par miroir vertical. Par rapport au sommet du produit. Donc, pour le premier tronçon du bâtiment, je vais créer ici aussi ici un contre-ventement pour bien contre-venter cette partie-là et la mettre pour l'autre. Donc je vais sélectionner tous les éléments de contre-ventement et je vais effectuer une translation pour ces éléments-là dans la bonne emplacement, dans le bon la bonne emplacement. Ici, personne. Et pour le dernier portique, ou pour le client, pour le bâtiment. Comme ça, on a bien créé le contre-frontement, ou bien le système de contre-frontement choisi pour ce modèle-là. Avant de finir avec les éléments de contre-frontement, vous savez que tous ces éléments-là travaillent uniquement, vous avez bien sollicité uniquement vis-à-vis des efforts axiaux. Donc, je vais ajouter cette.
cette hypothèse-là pour les barres déjà créées. Ces barres-là transféreront uniquement les forces axiales. Je vais cliquer ou cliquer sur ou bien sélectionner tous les barres, tous les doubles corniens déjà utilisés pour les contre-barres. Cliquer, fermer. Donc, comme ça, tous ces éléments-là seront sollicités vis-à-vis des effets normaux, quel que soit un effort de compression ou bien un effort de traction. Je vais créer par la suite la couverture déjà réalisée en bas d'acier, ainsi que le bardage métallique en bas d'acier aussi. Donc le sens, le premier sens choisi, c'est le X pour le panneau pour le premier sens, c'est le X, c'est la direction X pour le panneau créé. Donc regardez ici, par défaut, il porte dans ce sens-là. Si je vais cliquer sur le panneau, deux directions non, il porte dans ce sens-là, donc je vais choisir le sens Y, et c'est là le sens correct. Okay. Après, je vais essayer une petite part non. Pour les bardages, la même chose. Pour les bardages métalliques, la même chose. Bardage au face, c'est uniquement une interface pour interface là où on va définir le transporteur. C'est juste pour la répartition de la charge sur laquelle il sera appliqué. Donc voici le X. Je vais choisir toujours le contour du blanc et le X. Ces surfaces là, deux en haut représentent les couvertures et les deux verticaux représentent les bardages métalliques. C'est juste sur ces éléments là je vais appliquer les charges, les poids propres des différents éléments, différentes couvertures. Je vais appliquer je vais appliquer, par exemple, ici, pour les deux couvertures, je vais appliquer le poids propre, comme une charge permanente, ainsi que la charge d'entretien. Et pour les bardages métalliques, je vais appliquer uniquement une charge permanente qui représente le poids propre des bardages utilisés dans les catalogues, pour les différents catalogues indiquent le poids propre ou bien la charge par mètre carré. De la couverture. Donc, une idée générale sur la modélisation, après l'application de la charge, c'est plus simple dans un modèle 3D qu'un modèle 2D parce que ici je peux directement appliquer les charges surfaciques. Sur la couverture, je vais appliquer les charges permanentes et la charge d'entretien. Sur les bardages, les parois verticaux ou bien verticales ou bien les bardages, je vais appliquer uniquement le poids propre. Comme une charge permanente. Ce sont des surfaces uniquement pour transférer les charges et le vent déjà créé déjà généré à partir d'un modèle 2D. Donc, une méthode simple pour bien modéliser votre modèle 3D avec Joint. Et le reste, c'est classique, c'est la génération des combinaisons de charges et le dimensionnement de différents éléments. Je vous remercie.